Ou gen farine ak mori nan cuisine nou, ou di ou pa fè manje jodi a paske cuisine ou vide, malheur sa pa ka rive ou. Vin wè sa ou kapab fè avèk li. Nou pral prepare yon bon tatre a la mori a la krèm. La mou basè avèk yon bel morsou mori. M'ap kouvri l kompletman avèk dlo, m'ap kite li repose près de 4. M'ap chanje dlo chak 2 heures. La mou basè avèk yon lot resipyen mou ajoute demi tas dlo glase, demi kuyèr suk, demi kuyèr sel, m'ap bien dilye. Mou basè avèk yon pasò, mou ajoute 300 g farine, m'ap bien tamize l, apre m'ap fè yon fouten naden. M'ap ajoute 75 g beurre et puis mon pral travay farine avec point doit moi pour capable bien sabler farine. Une fois que moi fin fait étape ça, moi pral ajouter yo grain d'œil là-dedans avec de glace menant avec sucre seulement que moi était bien dilué et puis moi pas trop travay masse là. Après m'a passer là avec yo papier alimentaire, m'a enveloppé là-dedans, moi pral mettre li au frigo pour li capable bien reposé. Là mon retourner dans mon nan près de 4 heures que le té fin reposer me changer de loi. Ou capable faire ça du jour au lendemain mettre mourir tremper un jour tout en bien déchaler li encore mieux pour tatoua. Et puis là m'a nettoyer mon rhume nan. Nous connaissons toujours un plaisir pour montrer la caille nous pour partager ça que me pire me faire qui c'est dans la cuisine nan. C'est avec un pile l'amour pour me partager vie quotidienne ça ensemble avec vous. M'a passé citron la donne une fois que mon fin passé citron, m'a quitté le fond reposer dans citron après m'a laver et puis là moi t'ai gagné un bon de l'eau qui t'a bouilli mon pral mettre les bouillis près de 15 minutes pour me permettre que mon rhume nan bien dessalé. Là nous pral préparer crème nan. Moi ajouter la beurre une fois que li fond, ajouter oignon. Moi t'ai utilisé un green oignon que moi t'ai coupé en lamelles. Après on a fini bien mijoter là près de 2 minutes et puis moi ajouter morue nan. Ou après retirer au maximum nan morue. OK? Et puis là moi ajouter jus de citron, limon pepper, piment, poivre et puis après là moi pral ajouter un grain de cuillère farine. Après moi pral ajouter 200 g crèmelette avec 250 ml lait entier. Pas oublier dim qui paye vous suivre page là pour me capable qui côté vidéo m'y arriver. Ça fait plaisir dans prochaine vidéo pour vous voir une salutation spéciale pour moi ajouter là un grain fromage. Après cela, il est trop bon. N'a pas même pas ajouter sel parce que morien pas fini de saler complètement. Sinon tat là absalé. Là moi passé avec masse moi qui était dans frigo, moi pral étaler li sous plan de travail moyen. Après moi pral enrouler li dans rouleau et puis moi pral passer avec une forme à tête que m'étais déjà béré avec l'huile et puis m'a mettre pâte moyen là-dedans. Après ça m'a bien fait pâte moyen chita là-dedans et puis m'a piqué li avec une fourchette une fois que m'fin retirer toute bordure et puis moi pral faire li cuite pendant 10 minutes. Après li sorti dans four pendant 10 minutes, moi ajouter crème moyen que m'étais préparé et puis pour finaliser, elle m'a juste ajouté fromage parmesan sous li. Moi pral faire li cuite près de 20 minutes à 210 degrés. Pendant tête là dans four, passez prendre téléphone dans là, relé 8 li budi, faire voyer cette pour là pour édiser recette idéale qui vaut pour capable joindre 10% rabais ou besoin hydrater visage ou passez gérer commande là dans 8 li budi. Après temps écoulé là, mes tête là il était trop bon. Malheur ça pas supposé arriver pour dire ou pas rien dans cuisine ou pour faire manger. Pas que mes vidéos pour que tout partager. Bye bye tout le monde.